J'avais 12 ans quand mon frère est mort d'un accident de voiture. Il avait 20 ans, il était étudiant en médecine et je crois que ça a changé ma vie, évidemment, puisque en plus du deuil, je ne voulais pas rajouter une couche pour mes parents qui pensaient que j'allais reprendre le job que mon père avait mis toute sa vie à construire. Il était devenu notaire en partant de Sautruisseau. Il avait arrêté l'école très tôt. Alors moi, j'étais déjà créatif, puis notaire, je voyais bien que c'était pas mal au niveau matériel, mais... Donc, quand j'ai eu mon bac, je l'ai appelé, moi je voulais faire les beaux-arts, il me dit « Fais ton droit d'abord ». Donc j'ai fait 4 ans de droit et le reste de travers. Donc quand j'ai eu ma licence, j'avais rempli mon contrat, on reste dans le droit. J'avais compris que surtout ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le meilleur avocat, c'est pas ceux qui ont raison. Alors je me suis teint les cheveux en bleu et j'ai été à Berlin. J'ai été taguer mon nom sur le mur de Berlin. Ça a été mon acte fondateur punk. Quand je suis rentré de Berlin, j'ai dit maintenant, je ne vais pas faire plaisir à mes parents, mais je vais essayer de me faire plaisir à moi, faire ce qui me plaît, c'est-à-dire la musique, les arts en général, mais la musique en particulier. Et donc j'ai commencé à faire de la musique avec plusieurs groupes, à monter une association, à gérer à Belleville un studio de répétition, à organiser des fêtes de la musique avec les Négresses Vertes, Manu Chao, Ludwig von 88, je ne sais pas si ça vous parle. Et bref, à bosser la musique, à faire ce qui me plaisait. Et puis j'ai rencontré un chanteur sénégalais. J'ai dit, écoute, moi j'écris un peu, j'ai des chansons, donc si tu veux les chanter. Donc la première des chansons que j'ai écrites, c'était « Je serai ton nounours, tu seras ma poupée, qu'on soit dans la brousse, qu'on soit dans le tromé. Je serai ton nounours, tu seras ma poupée, t'iras faire les courses, je ferai le dîner. Mon ours en peluche, ma poupée de cire, pelisse à la peau douce, poupée à la police, 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 police. » Et le chanteur, il a été expulsé, retour au Sénégal, par les charters Pasqua à l'époque. Donc j'avais plus de chanteur. Je me suis dit, j'ai plus qu'à chanter moi-même. Alors, j'ai commencé à écrire, inspiré par ce que j'aimais bien, Bobby Lapointe, Boris Vian, Gainsbourg. Et notamment avec ce rap qui a été qualifié de rap écolo, qui n'est pas un rap, mais sur le consensus, c'est une chanson de 90. On est tout étonné de voir déjà sur le marché tout un tas de simples produits qui nous donnent le tournis. J'ai l'essence dessus, dessous. Ça me pousse à la dépense, moi qui suis sans le sou. C'est la loi de la croissance, celle qui fait qu'on avance. C'est le processus de la croissance plus. Mais tous ces olibrius sont de drôles de gus. Les professeurs Nimbus, moi je les crois sans plus. Alors après, on a mélangé aussi dans des projets. J'ai mélangé à travers les projets auxquels j'ai participé. Le graphisme, la sculpture... On a sorti une cassette qui était coulée dans une voiture en plâtre. Il fallait casser la voiture pour avoir la cassette à l'époque pour pouvoir l'écouter. Donc ça, on en a fait 700 exemplaires. Le projet d'après, on a donné 100 pochettes à 10 peintres différents qui ont fait des fresques. On a fait un événement. Et puis, on a dispatché toutes ces pochettes qui étaient donc uniques. Là, c'était un coffret de 3 maxi 45 tours. Après, je me suis recentré sur le côté acoustique, festif, près des gens, jouer dans les squats, les bars, dans des petits lieux, et retrouver une ambiance populaire, entre guillemets. Et donc là, avec toujours des thèmes sur l'actualité,
Donc, il y a eu Le sang contaminé, donc une chanson qui s'appelle Pasteur. Si d'aventure tu donnes ton sang, viens au CNTS en passant ou sans scrupule. On t'inocule des globules du sang de tolard qu'on transforme en dollars. On va pas se faire de mauvais sang, même les médecins sont impuissants. Les HIV vont t'achever, il est temps à ton âme de s'élever. Rejoins le pasteur, rappeur, rédempteur, le pasteur, rappeur, versificateur. Pasteur, rappeur, rédempteur, pasteur, rappeur, purificateur. Il y a aussi, évidemment, les affaires... Le fameux ascenseur social. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, l'ascenseur social. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. En tout cas, s'il existe, il doit être en panne. Tout autour de moi, tout un tas de pression. On me montre du doigt, on me pousse à l'action. Ils veulent que j'adhère au modèle, que je me coule dans leur moule. Mais moi, je suis rebelle, je ne me mêle pas à la foule. Je ne suis pas foule, 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 foule. Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base au sommet, c'est phénomène, c'est phénomène. Laissez-moi monter dans l'ascenseur social, de la base au sommet, c'est phénomène, c'est phénoménal, c'est phénoménoménomal, mal. Puis il y a 3 ans... On a eu un gros pépin en France. C'est notre pauvre ami DSK. Patron du FMI, tombé à New York City par la faute d'une soubrette qui lui a tourné la tête, qui lui a fait lever son vide dès qu'il l'entrevit. Sitôt sorti de sa douche, il a fallu qu'il la touche. Anne Sinclair, c'est clair, n'a pas laissé s'enfoncer. On va faire un petit truc, ça serait sympa. Quand je dis Anne Sinclair, vous dites tous c'est clair. On fait une répète, là. Anne Sinclair. Ouais, il y a un petit délai, mais... Anne Sinclair. Alors, vous voyez, je fais ça, ça veut dire le clair, il faut que ça tombe dessus. Anne Sinclair, c'est clair. C'est bien. 3, 4. Anne Sinclair, c'est clair. N'a pas laissé enfoncer. C'est sûr que c'est pas sa femme qui l'a défoncé. DSK, c'est un cas. Il s'est mis dans le caca à cause de son kiki. DSK, c'est un cas. Il s'est mis dans le caca à cause de son kiki. Tout ce qu'il a fait se confond, se contredit et s'est confus. Accablé des confis, mais pas encore confondu. Comme disait Confucius à ses disciples dans un laïus, si la bite ne fait pas le moine, la bite fait le Strauss-Kahn. DSK, c'est un cas. Il s'est mis dans le caca à cause de son kiki. Allez tous avec moi, c'est un cas. Il s'est mis dans le caca. C'est du Kafka, son cas, pour ainsi dire, un cas d'espèce. Jamais on ne fit tant de fin pour une histoire de fesses. On m'attaque, on me traque, sur mon cas, on m'attraque. Des sujets médiatiques que Matrix à Wall Street, sur les écrans cathodiques, sur le net et dans les tweets. Il occupait l'espace avec à la une sa face apparue menottée dans tous les JT des télés, même si les envoyés n'avaient rien à raconter. DSK. C'est un cas. C'est pas mal, ça, la réponse. C'est un cas à cause de son kiki. DSK, DSK, c'est un cas. Oui, alors nous appelons tout de suite Ulysse Gosset en direct de New York. Vous continuez, hein, DSK. Ulysse, vous m'entendez? Oui, Patrick, je vous entends. Bah, écoutez, DSK devrait sortir d'un instant à l'eau du tribunal. Nous sommes aux aguets. Patrick, il est rentré maintenant. Ça fait... Oui, bah, écoutez, Ulysse, vous nous rappelez quand vous avez du nouveau. Priorité à l'actualité. Fukushima, la Libye, il a tout occulté, Ben Laden et la Syrie, il a tout occulté, le palmarès du festival de Cannes a été relégué par les faiblesses de Strauss-Kahn, et bientôt aucun petit demandera à Uri, « Dis papa, DSK, c'était quoi, c'était qui ?» Alors on lui explique à retranscrire ce récit, on lui chantera le refrain que voici, « DSK, c'est un cas !» Il s'est mis dans le caca à cause de son kiki. DSK, c'est un cas. Il s'est mis dans le caca à cause de son kiki. DSK. Donc je suis le clown de la soirée, je ne suis pas le clou hein, du spectacle, le clown. Et donc la chanson là, que je vais interpréter avec un playback musical qui a été fait par un de mes anciens musiciens que j'aime beaucoup, que Théo aussi aime beaucoup, qui s'appelle Olive Mann.
Donc spéciale dédicace à Olivman, il n'est pas là, mais il m'a fait ce super playback. C'est une chanson que j'ai écrite en 90, c'est-à-dire il y a un quart de siècle. Et c'est une déclinaison un peu à la façon d'Ouvrard, cette chanson du début du siècle, qui s'appelle « Je ne suis pas bien portant ». J'ai la rate qui se dilate, l'estomac qui n'est pas droit, etc. Transposé à la planète. Voilà, donc ça va donner ce rap humanitaire qui s'appelle Les Balkans. Qu'est-ce qui se trame ? Pourquoi on trime ? Quoi ça rime qu'on rame pour amener le RMI et ma rem et ta mère. Et mon père il est vénère quand il voit ce qu'on me rémunère pour mes concerts. Ce qui cloche dans ces clichés va déclencher un clash qui va éclabousser. Car ce rush sur les richesses qu'on s'arrache dans des ruches sur les champs ou à au champ. Qu'on mâche, qu'on mange, qu'on chie ou bien qu'on gâche et les déchets on les cache sous une bâche ou dans la manche pour se racheter. On parachute des couches, des quiches, oh chiite, mais on s'en fiche. Et dans les Balkans, au Kurdistan, c'est la catastrophe, le crack économique en flippe qu'ils quittent leur country et débarquent sur des coques de noix sur nos côtes et piquent nos casse-croûtes. Et piquent nos casse-croûtes. Et piquent nos casse-croûtes. Vas-y, vote Paul Port d'abord. Les banlieues crament partout des crimes. On accuse les crew minorités, donc y'a bien se tenir sur les écrans. Des crétins débitent leur connerie dans le chromie. Mais quel crédit accorder à ces discours contradictoires. Et c'est la crainte qui croit, crie, croire, Arki la faute. Arki la faute. Arki la faute. En Arabie, le roi est fade, mais le régime est salé. En Algérie, au nom du père, du fils, des prités, on zompé. Le Kazakhstan, l'Afghanistan, ça se tend depuis quelques temps. Le Zbola dit halte là, mais le hola en nom d'Allah. Va comme je te putsch. Allez, putsch de là. Putsch de putsch de là. Allez, dégage. Les laitons luttent. Parapaya, parapapa. Les laitons luttent, les roumains minent, les croates cherchent des crosses aux serbes qui sont acerbes, les yougoslaves, la violence en famine, les albanais, les kurdes, les cubains se déminent et les mineurs roumains armés de paramines sont montés manu militari pour massacrer la vermine aux aïrs, c'est pire, c'est le putsch, mais l'Arménie en Arménie, les azéris, ils les ont à zéro, à zéro. Dans le haut Karabakh, il y a des hauts et des bas. Arabat, droit du Maroc et du genre rabat-joie. En Colombie, les lobbies de coco ont contribué à ce qu'Escobar se barre, se fasse par faire déguisé en bardo. Tour du monde de la misère à l'aube du troisième millénaire. Un petit cordon sanitaire tout autour de la guerre. Au Liban, le bilan est globalement accablant. C'est la déroute à Beyrouth, mais les banques payent des tanks. Quand David, c'est du vide, les Syriens n'en ont rien à cirer. Territoires sont occupés, revenez si vous voulez camper. Faut mettre une bombe de gaz à la plaie ou appeler les casques bleus. Allô ? Allô, Loulou, je suis toute nue. Les Anglais ont débarqué, envoyez-moi les forces d'un peu. Allô, l'ONU, elle est toute nue. Faites voter une résolution pour éviter la révolution. Allô, l'ONU, elle est toute nue. Faites voter une résolution pour éviter la révolution. Mais dans les Balkans, au Kurdistan, c'est la catastrophe car le crack économique en flip qui quitte leur country et débarque sur des coques de noix sur nos côtes et pique nos casse-croûtes. Et pique nos casse-croûtes. Et pique nos casse-croûtes. Pique nos casse-croûtes. Eh bien, chers amis du TX, bonsoir, merci d'être présents pour cette nouvelle émission en direct spéciale de Genève du top des catas, le catatop, un catatop un peu spécial puisqu'il est adapté ce soir au monde digital. La neutralité du net fait son entrée dans le top, bienvenue la neutralité, on espère que vous allez rester longtemps. Lanterne rouge, Wikileaks, à bientôt Wikileaks pour une nouvelle révélation. Et dans le trio de tête, nous avons toujours les Big Brother, Google, Facebook et Twitter. Et numéro 1 depuis maintenant
60 mois, bah oui. Snowden et la NSA. Bravo, merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Catatop.